Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour un let's play sur Arise A Simple Story. Alors c'est un jeu de plateforme qui est disponible à la fois sur Steam et sur GOG au prix de 19,99€. C'est un jeu qui se joue à la manette, qui est disponible en français, mais vous verrez, la langue est essentiellement là pour les menus et qui est jouable à la fois en solo et en coop, parce que vous pouvez inviter un ami à rejoindre votre partie et à venir vous aider. Et normalement, vous vous posez la question, mais pourquoi Chobiti nous parle-t-elle de ce jeu qui est sorti il y a déjà un petit bout de temps? Eh bien, tout simplement parce que les développeurs qui sont Piccolo Studio et l'éditeur qui est Untold Tales, eh bien, ils font une opération spéciale en ce moment pour la sortie du jeu sur Switch. C'est pour ça que une clé m'a été offerte. Donc moi, je joue sur Steam, mais le jeu est disponible désormais sur Steam. Donc voilà, je vous mets la petite image. Donc sur la version Switch, il y a des petites exclusivités avec un artbook de 110 pages, avec une bande son de 18 musiques, avec un mode photo intégré au jeu et le support du gyroscope. Donc vous aurez tout ça sur Switch si vous achetez le jeu sur cette plateforme-là. On va tout de suite aller voir ce qu'est le jeu. C'est parti! On se retrouve donc sur le menu principal. Et eh bien tout simplement, on va démarrer une nouvelle partie. Alors j'ai déjà en fait commencé une partie. J'ai fait les deux premiers chapitres. Et eh ben, tout simplement, on va recommencer de zéro. Donc j'ai vu qu'il y avait des petites choses qui feraient peut-être un peu, je vais pas dire désagréables, un peu moins fluides du fait que j'ai fait déjà une partie. C'est-à-dire typiquement, vous voyez ici, on va débloquer des souvenirs. Et en fait, les souvenirs sont globaux à mon jeu. C'est-à-dire peu importe le nombre de fois où je recommence une partie. Mes souvenirs sont débloqués. Ce qui va vous permettre par exemple de commencer une partie, de louper un souvenir et de recommencer eh bien, uniquement ce qui vous manque. Après, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, c'est que du coup j'ai fait les deux premiers chapitres et il m'a manqué un souvenir sur le chapitre 2 et j'ai pas trouvé comment redémarrer le chapitre 2. Peut-être qu'il faut que je finisse le jeu pour pouvoir avoir accès au chapitre en particulier. A priori, il y a 10 chapitres en tout. Mais c'est vrai que sur l'instant, j'aurais bien aimé recommencer pour avoir une chance. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire demi-tour, vous verrez. Et bah, j'étais un peu déçu. Parce que, y a certains puzzles qui peuvent être un peu tricky. Et s'il faut recommencer du début pour, bah, pour réussir, c'est parfois un peu dommage. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Eh ben, on va démarrer une nouvelle partie et on va voir une petite cinématique. Donc voilà, on incarne ce monsieur qui visiblement est mort. Alors, petit reproche que j'ai à faire au jeu, c'est que, vous voyez, là il me dit, utilise ton joypad de droite. Sauf que, bah, il me dit pas vraiment ce que je peux faire. Effectivement, on voit bien que les étoiles, elles bougent.
Mais c'est pas, il faut pas faire droite-gauche au rythme où il nous le donne. Il faut vraiment trouver l'endroit où il se passe quelque chose. Et l'endroit où il se passe quelque chose, c'est maintenant. Donc les inbox, enfin les astuces, je trouve, sont parfois un peu frustres. Et donc, on a débloqué le premier portail qui correspond du coup au chapitre 1. Le chapitre 1 s'appelle Elle. Alors, tout le principe qu'on vient de voir dans cette cinématique de faire passer le temps, eh ben, ça va être complètement ça, le but du jeu, hein, faire passer le temps dans un sens ou revenir en arrière. Et là, on va s'arranger. Pour pouvoir passer, donc pour pouvoir passer, on fait descendre l'eau, on va jusqu'au bout de bois et on fait monter l'eau. Et on trouve une petite statue, donc c'est visiblement nous en tant qu'enfants. Vous voyez qu'il y a des petits papillons autour qui sont purement cosmétiques et qui nous permettent de voir qu'il y a une statue. Là, on va faire en sorte de pouvoir passer. On saute. On saute un peu plus fort, Chobiti. Vous voyez, le jeu n'est pas punitif. C'est parfois un peu dommage parce que il nous fait revenir à l'endroit où il a un peu décidé. Il y a des petits points de sauvegarde qui permettent de passer d'un endroit à un autre. Et qui sont pas forcément les mêmes si vous quittez la partie en plus. C'est-à-dire que. Vous allez recommencer au niveau de la scène qui vous intéresse si vous mourrez, alors que si vous quittez la partie, techniquement votre progression ne sera pas sauvegardée au même endroit. Hop. Je note aussi que quand on redémarre, il en a absolument rien à faire du niveau qu'on avait donné à l'eau, par exemple, au temps qui passe. C'est vraiment lui qui redécide. Voilà, et ici, on a aussi des petits papillons. Donc, on fait venir l'hiver. Voilà, pour pouvoir sauter grâce à la neige. Voilà, et du coup, on a le droit à un souvenir, petit souvenir de visiblement nous, enfants, et tout seul, alors qu'il y a d'autres enfants qui jouent ensemble. Et on trouve une nouvelle statue. Donc,
Donc les souvenirs sont complètement optionnels, hein. Vous pouvez passer à côté et pas les débloquer. Après, ça reste intéressant, hein. C'est un peu le principe de l'histoire, hein, le principe du jeu de collectionner au maximum les souvenirs. Donc là, on va. Là, le jeu nous dit, tu peux bouger la caméra. Effectivement, on peut bouger la caméra et on peut simplement en fait changer notre angle de vue dans ce sens-là. C'est-à-dire ni à droite ni à gauche, mais vraiment du haut bas. Donc, c'est aussi à prendre en compte au niveau du gameplay. Ah là là, j'ai failli noyer mon personnage. Ça aurait été dommage. Donc je vais peut-être un petit peu vite sur les puzzles. Comme je le disais, j'ai déjà fait une fois. On va juste essayer de rien louper. Et de pas trop mourir. Donc là, on fait bouger ça, ça paraît être une bonne idée. Ça par contre, ça paraît être une mauvaise idée. Sauf si je veux mourir écrasé. Hop. Je peux faire ça et ça, ok. Donc là, on va dévier un petit peu. Parce que bien évidemment, les petites choses cachées sont cachées. Donc on peut grimper de cette manière. Hop, et là, il y a un secret qui est... Un souvenir qui est là. On va essayer de pas se noyer, hein, ça serait bien. Et du coup, on a un nouveau souvenir. Donc on est toujours aussi seul sur notre rocher. Mais il y a des papillons en plus. Alors, moment un peu tricky, on redescend. D'ailleurs, je vais finir d'enlever l'eau. Voilà, ça serait bien. Non, descends, descends. Voilà, on est descendu. Tout va bien. Le jeu nous amène par là. Le jeu nous guide vraiment vers la fin du chapitre. Et pas forcément vers les souvenirs. Si vous voulez compléter les souvenirs, il va falloir chercher. Prendre les chemins qui vous paraissent un peu cachés. Typiquement ici, on a le choix entre monter et descendre. Monter, visiblement, il y a une statue, donc on va descendre. Je voulais descendre, pas me suicider. C'est pas toujours évident, je trouve, de trouver la bonne mesure entre le bord de la map et... l'endroit où on faut sauter, descendre. Après, c'est aussi le fait que le jeu soit comme ça. Le fait qu'on puisse pas bouger la caméra, moi, ça me perturbe vachement. Et donc, du coup, on est toujours sur notre rocher. Et il y a visiblement une petite fille qui prend de la couleur. Donc, est-ce qu'elle va devenir importante pour nous? Le chapitre s'appelle Elle. Donc ça pourrait être une bonne idée ici. Qu'est-ce qui se passe si je change les choses? On se noie, ok. Donc je bouge rien. Et je recommence. Je continue, donc on va monter. Ça paraissait le bon plan de monter. Donc on vient de la droite. Donc on va continuer à monter. Je pense pas qu'on puisse faire quelque chose. On peut rien faire. On va continuer de monter. Donc là, faut sauter.
Allez, fais-nous un gros saut. Voilà. Et on trouve donc une nouvelle statue. Et ici, il y a des petits papillons. On va utiliser la même astuce que la dernière fois, avec la neige, pour pouvoir grimper ici. Et encore un petit souvenir. Visiblement, la petite fille est venue nous parler. Alors là, on nous dit, penche bien ta caméra. Effectivement, penche bien ta caméra pour voir que ici, on a un bout de bois. On va pouvoir passer par là. J'ai peut-être laissé un petit peu trop d'eau. Il ne s'agirait pas de le noyer. On monte ici, on monte là. J'ai pas l'impression qu'à gauche il y ait grand-chose à faire. On va tout simplement passer comme ça. Ça me paraît un peu tendu. Le saut, voilà. Le saut me paraissait tendu. C'est parce qu'il y avait une astuce. Ici, on peut grimper. Parfait. Quel homme? On est quasiment à la fin du chapitre 1. Là, je l'ai un peu rushé. Mais voilà, en une petite trentaine de minutes, c'est faisable. Alors, ce qu'on va faire avant de faire la chose évidente, c'est que tout simplement, il me manque un souvenir. Je le sais parce que, comme je vous le disais, j'ai déjà fait le chapitre, donc je sais combien il y a de souvenirs à trouver. Et comme je vous le disais, le problème c'est que si je vous les montre, vous les aurez tous. Donc on va débloquer celui-là. Voilà. Visiblement, elle est venue nous chercher, elle nous a entraînés. Et en fait, voilà. Ici, vous avez votre collection de souvenirs. Donc, ici, on a réussi, elle est complète. Et on peut la faire défiler. Pour avoir l'histoire. Il nous manque plus qu'à trouver la fin du chapitre. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait le chapitre 2 et je l'ai trouvé plus dur. Donc, ça veut dire que la difficulté va arriver crescendo.
Donc voilà pour ce chapitre 1. Le portail s'est transformé en jolie rose. Donc on nous dit elle 5 sur 5, effectivement. Elle, on a 5 souvenirs. Et on pourra faire le chapitre 2 la prochaine fois. Donc je voulais un peu prévenir pour ceux qui suivront le let's play et qui se contenteront pas du premier épisode pour voir un peu à quoi ça ressemble. Comme je le disais, la difficulté augmente et comme je le disais également, j'ai pas trouvé de moyen de recommencer uniquement le chapitre. Il est ici, j'ai le chapitre, chapitre 1, il est là, je peux bien voir mes souvenirs, je peux refaire défiler les images, mais je n'ai pas d'option pour recommencer mon chapitre. Ce qui fait que bah, le chapitre 2, je l'ai fait également, je l'ai trouvé un peu plus compliqué. On a un total de 10 chapitres. Donc ce qui veut dire que, ben, tout simplement, vu que je peux avoir qu'une seule sauvegarde et que je peux pas recommencer les chapitres, il va peut-être y avoir des moments où on va se galérer un peu. Et ben, dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voyez des choses à faire, des manières de faire, des mécanismes que j'aurais pu louper. Je vais essayer de ne pas prendre trop d'avance pour vous laisser aussi un petit peu le temps de voir tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et puis si le jeu vous intéresse sur Switch, eh ben, allez-y. D'ailleurs, j'ai pas regardé le prix sur Switch. J'espère qu'il est dans les mêmes gammes de prix que sur Steam et GOG. En tout cas, moi pour l'instant ça me plaît bien. Je trouve que les contrôles sont parfois un petit peu imprécis, mais c'est peut-être aussi lié à la manette. Faudrait peut-être que j'essaye au clavier souris. Je verrai comment ça se goupille, mais ça sera lors des prochains épisodes. Bye bye!